former, c'est notre devoir. Former, c'est notre désir. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economa News ce jour, numérisation du secteur de transport par moto-taxi dans la ville de Douala. Portrait de la semaine dans ce journal à la découverte de Adam Onkange. Voilà pour les titres. Numérisation du secteur de transport par moto-taxi dans la ville de Douala, c'est une substance du communiqué presse du 3G à travers lequel la mairie de Douala 4e a annoncé l'enregistrement sur une plateforme numérique des conducteurs de moto-taxi dans la ville. L'objectif ici est de lutter contre l'insécurité et de permettre aux populations de distinguer les moto-taxis des personnes mal intentionnées. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du plan Digital Cameroun 2020-2025, le but étant de faire du numérique un levier de développement économique et social. La semaine de l'innovation de Yaoundé qui se poursuit jusqu'à ce jour du côté de l'hôtel Montfébé s'achève demain vendredi. Elle a connu plusieurs participants qui ont manifesté leur désir à présenter leurs projets et dévoiler leur intérêt de participer à cette initiative au micro de Economa News. Team leader de l'équipe Ubuntu Dev Group. Si nous participons aujourd'hui au hackathon, organisé par International Tech Summit de Yaoundé, c'est tout d'abord pour avoir du réseautage, être en communauté avec les développeurs et voir ce qui se fait de mieux dans l'écosystème dev local. NF Graphics, je participe à Hackathon avec l'équipe Atomic. Je suis là aujourd'hui parce que c'est un grand défi pour moi. En fait, en tant que designer graphique freelance, c'est très souvent, je travaille très souvent toute seule. Mais là, j'ai pu travailler en équipe avec des personnes de confiance. J'ai pu apprendre le travail d'équipe et aussi le partage d'idées, le fait d'écouter et aussi travailler dans un laps de temps. Application dans ce journal Douane CMR est notre priorité. C'est une application de déclaration à la disposition de tout appareil, disponible en téléchargement sur Play Store, permettant de soumettre le contenu de la déclaration par voie électronique à la douane lors de votre entrée au Cameroun. Le code QR créé par cette application ne pourra être utilisé que dans les aéroports équipés d'un terminal de déclaration. Elle entre dans le cadre de la facilitation des échanges, de la simplification et de la dématérialisation des procédures douanières. À noter qu'à ce jour, il semble très important, ou mieux dire, impératif, de l'avoir, car désormais à votre entrée au pays, elle vous est exigée. Place au portrait de la semaine dans cette édition du journal L'Expert en intelligence artificielle et en apprentissage automatique. Adam Onkange Kououtou est notre figure du jour. C'est un informaticien et entrepreneur camerounais, fondateur et le président directeur général d'Adrix Tech depuis 2018. Une start-up technologique qui automatise le processus d'analyse des risques des techniques et financiers chez les petits exploitants agricoles. Grâce à ses connaissances et compétences, il aide les agriculteurs à optimiser leurs performances et à augmenter leur rentabilité. Il a également cofondé la société informatique Nabla en 2011. Diplômé de l'université de Yaoundé 1 où il a obtenu un master en physique en 2006 et un master en ingénierie de télécommunications en 2008, il détient aussi un master en administration des affaires obtenu en 2009 à l'European School of Management en technologie de Berlin en Allemagne. À noter que Adam Onkange a débuté sa carrière professionnelle en 2009 chez ZTE Corporation en tant qu'ingénieur. Dans cette marche, il a connu des hauts et des bas avec des lourdes charges de responsabilité dans différentes entreprises qu'il a côtoyées. Mais l'homme est toujours resté debout grâce à son caractère discipliné, objectif et professionnel. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en replay sur l'application Economa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.